deciding to do things differently? Yeah, if I could do it all over again, I have a lot to say. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 11 de la saison 2. Je ne vais pas parler trop fort puisqu'il est 3h du matin. Je ne vis pas tout seul. L'épisode a été dirigé par Greg Nicotero. Vous le verrez, il y a des plans très sympathiques. À savoir que c'est Angela Kang qui a écrit cet excellent épisode. On est donc parti pour la réaction. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Let's go. Ce pauvre gamin, il va ramasser quand même. Et on connaît la tendresse de Daryl. Putain, il a failli lui couper une baloche. Il avait pas coupé les doigts d'un Reaper aussi dans la saison 11. Man and his two daughters, teenagers, you know, really, they just made him watch his daughters. C'est des dialogues très violents, hein. Je crois que l'épisode juge juré et bourreau, c'est l'épisode de la mort de Dale. Oh, le Daryl qui débarque avec les mains en sang. Oui, Dale il veut garder son humanité. Hein. Faut pas agir comme ça, faut en parler à tout le monde. Enfin, on parle d'une vie humaine, là. On parle pas d'une part de cheesecake qu'on se partage en quatre. Ou en 8, ou en 16, ou en 24, yeah. Même en 36. Tell me this isn't all the ammo. That's a choice. Dale, il fait un peu écho à des personnages comme Tyrese ou même John Dory. Trop bon pour ce monde, en fait. You're gonna kill me, right? It's grown up stuff, all right? Pierre, avec son petit couteau dans la poche, là. Just let us handle this. Well, huh? That's cute. C'est là que tu dis que Shane et Andrea, en duo, ils auraient bien fonctionné, je pense. Ah, ils comptaient déjà renverser Rick. Hein. C'est vraiment un malade, Carl. Il le regarde comme si c'était de la viande fraîche, tu sais. Shane, de toute façon, pour Carl et Lori. Ah ouais, Daryl. Why not stand with me, try to save the kid's life? If it really doesn't matter one way or the other. And Peggy for. Dire qu'ils vont devenir des frères par la suite. Rick ain't stupid. He didn't figure that out because he didn't want to. It's like I. Le juge, le juré et le bourreau. Look, I know how you feel about the death penalty. But... I know the world has changed. Je sais plus si c'est dans cet épisode-là qu'elle va lui dire à Shane de rester. Heaven is just another lie, and if you believe it. Ah, c'est dur pour Carl, hein, ce monde-là, hein. C'est compliqué. Il faut qu'il trouve sa place. I lost my daughter. I didn't lose my mind. Quelle reine elle va devenir, putain. J'espère que le spin-off de Rick fera au moins deux saisons. Il faut deux saisons de six épisodes. Or at least I thought I was, but I've made too many mistakes. Il fait que des conneries dans cet épisode-là. Enfin, c'est compliqué de lui en vouloir, hein. Mais malheureusement, nos actes ont des conséquences. Oh la gueule! Et puis la mort de Carl en saison 8, ça avait surpris beaucoup de monde aussi. Hein. We're in danger, Dale. No. But there's a dozen of us. It's them to keep this guy alive, and I ain't gonna say a damn word about it. Okay. Elle a pris un suppôt. Well, let me know if I can do anything. Ça va mieux du coup. Ah, cette montre. My grandfather brought this over from. Geste fort. Hein. Un geste très fort. Changed my mind about you. Ah, on prend une vie humaine, hein. C'est pas facile. Hein. J'ai déjà du mal à savoir si je prends l'ascenseur ou les escaliers, alors m'occuper d'une vie humaine. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises décisions. Hein.
Putain, la qualité du maquillage quand même. Son pantalon tout dégueulasse. Won't you stay with Jimmy? Let's just see where everybody stands, then we can talk through the options. I think you're pretty much right about everything all the time, but this they've got you scared. Say we let him join us, right? Maybe he's helpful, maybe he's nice. Could you drive him further out? Leave him like you planned? You barely about the body doing that. Hold on. You're talking about this like it's already decided. Orchard, he's gonna be executed. But don't you see, if we do this, the people that we were, the world that we knew is dead. Isn't there anybody else that's gonna stand with me? Perd un peu son humanité, là où Dale, lui, essaye de la garder. He's right. Oh. Quel acting aussi, on n'en parle pas, mais... I won't be a party to it. On tire de là, il va y avoir une espèce de... d'évolution. Ça va faire cogiter Rick, ça va l'empêcher de le faire là. Take him away. Disons que c'était la petite touche d'humanité, quoi. D'ailleurs, à noter que c'est l'acteur qui a voulu partir. Hein. Entreprise pour Dale. Can we move him? He won't make the trip. Ah, c'est pas Shane qui va lui empêcher de le faire. C'est pas toujours Eric de faire le sale boulot, Daryl va le faire. Sorry brother. Alors je suis désolé, mais je vais devoir vous en parler très rapidement puisqu'il est 4h du matin. Il y a ma femme qui dort à côté et demain on part tôt sur Paris. Donc je vais abréger un petit peu alors que il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode là. Je pense que j'y reviendrai un petit peu plus la semaine prochaine, mais tout ça pour dire que c'est un des meilleurs épisodes de cette saison 2. C'est un épisode qui est là pour nous montrer que nos personnages perdent malheureusement leur humanité puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. L'apocalypse a fait que les personnages doivent changer malheureusement de façon de faire, de voir les choses, et ils doivent agir et prendre des décisions compliquées. Tout le monde vote presque pour qu'on abatte le jeune Randall, là où Dale s'y refuse parce que pour lui c'est mettre une croix sur ce qu'ils ont été. Et c'est, voilà, perdre leur humanité, et c'est surtout l'espoir, ça veut dire qu'on condamne un gamin pour des crimes qu'il n'a même pas encore commis, c'est terrifiant. Et c'est ce qu'on se disait sur cette saison 2, les dilemmes moraux, les différentes idées, les différentes façons de penser. Et Dale, il est à l'image d'un John Dory ou d'un Tyrese, il s'y refuse, va malheureusement mourir à cause de Carl, puisque voilà, nos actes ont des conséquences. Carl qui lui essaye de faire un petit peu sa propre expérience, hein. Il fait pas mal de conneries, en même temps pour lui c'est compliqué, hein. C'est un jeune enfant qui vit dans un monde où il va devoir apprendre à devenir un adulte le plus tôt possible, donc il essaye de le comprendre, de s'y habituer, c'est très compliqué. Il parle mal à Carol, s'amuse à récupérer le pistolet de Daryl, tu sens qu'il tourne un petit peu en rond, qu'il sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Donc ça c'est très fort, on a toujours ensuite les oppositions entre Rick, Shane, Laurie, les autres. A noter comme je disais que la mort de Dale elle est arrivée puisque l'acteur a décidé de partir. Voilà. L'acteur a décidé de s'en aller quand ils ont licencié Frank Darabont, le premier showrunner. La mort est très dure, hein, puisque moi j'aimais beaucoup Dale. Et ce que j'aime bien sur la fin, c'est que c'est Daryl qui décide de l'abattre, comme si il s'était dit que c'est bon. Rick doit prendre assez de décisions comme ça, il a du mal en plus à le faire, il l'a bien vu juste avant où il refuse de tuer Randall, Daryl se sent capable de tuer Dale, de l'abattre, donc il va le faire,
là où Shane, lui, ne s'est même pas proposé. Donc tu sens déjà que Daryl a un profond respect pour Rick et qu'ils ont perdu l'homme qui voulait garder à tout prix son humanité. C'est lui qui s'en va malheureusement à cause d'un rôdeur. Les problèmes extérieurs recommencent. Là où ils ont tous peur de Randall et des 30 hommes qu'il est censé avoir dans sa communauté, c'est malheureusement les rôdeurs qui vont avoir raison d'eux, hein, presque, puisque Dale va en mourir. Donc ils se sont concentrés sur un problème, mais ils en ont oublié le principal. Pour l'instant, c'est les rôdeurs. Excellent épisode, j'ai hâte d'être au 12. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt.